Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Crux The Big Heist. Attendez, est-ce que j'attendais que la musique démarre? Ouais, allez, on bouge son corps, on remue les fesses. Ouh, on enfile son pantalon en pâte def. Et c'est cool la vie. Alors, la dernière fois, on avait déjà lu le brief de cette nouvelle mission, la mission 15. Rien que ça, la mission 15, la mission 16 et la mission 17. On arrive à la fin du jeu. Je l'aime beaucoup, je sais pas par quoi je le remplacerai. Dans ces fermes, matelots plutôt. The Pink Feather Club. Pour vous procurer un sous-marin, vous devez vous débarrasser des gardes du port militaire en prétextant une fausse loterie. Césarée les a attirés dans la boîte de nuit de Ringo Flamingo. Vous devez y vaporiser une substance hallucinogène qui les mettra dans un état second. Difficulté des casse 4 sur 5, déverrouille le phénomène. Hein. Écoutez, c'est parti mon kiki quoi. J'ai peur. J'ai très peur de ce qui peut... de ce que ça va être. J'espère que je vais m'en sortir, que je vais pas mettre... Bonne nuit, c'est une blague. Entrer dans une base navale n'est pas si facile. Ouh. Avant d'emprunter un sous-marin à Fort Chisel, il va falloir qu'on se débarrasse des soldats en faction. Dans les prochains jours, ils vont faire la fête au Ringo Flamingo's Pink Feather Club. Rien que ça. Et pour les garder le plus longtemps possible dans un état second, nous allons utiliser la clim pour faire circuler une substance hallucinogène dans toute la boîte. Oh là là. On entrera dans la matinée. On a Nono le petit robot d'imposer. Depuis le bâtiment voisin, on peut accéder à un tunnel qui nous amènera directement sous la boîte. Ok, ok. Flamingo est au courant de cette faille. Pour se protéger, il a installé un système de sécurité haut de gamme. Sans doute aux frais de son ami Murray. C'est pour ça qu'on va emmener Ron. Je viens de l'équiper d'un réflecteur de rayon qui devrait nous aider à négocier... Nickel. Super, ça. Ça marche aussi avec les capteurs optiques classiques. Mais bien sûr, mademoiselle Ron. Ah, super. Parce que là, il y en a, hein, la vache. Et là, d'une occasion de vous montrer ce que je sais faire de mon corps. Ah là là, mon dieu, elle est chaude comme la braise, celle-ci. Ce dispositif est très gourmand en énergie, c'est un vrai gouffre. D'ailleurs, Flamingo éteint le dance floor pendant la journée pour réduire les frais. Je vois, du coup la clim aussi est éteinte. Notre objectif principal, c'est donc l'interrupteur principal qui rallume tout le rez-de-chaussée. Ok. Une fois que la clim sera repartie, il faudra aller là. On monte dans la boîte de nuit. Ok, donc ce sera bien en deux étages. À deux niveaux, je veux dire. Il faudra sans doute traverser plusieurs fois le dance floor. Le dance floor. Ah, et petite caméra. Il y aura donc de grands espaces dégagés. C'est pas vraiment top pour se la jouer discret. On installe notre petite surprise dans le système d'aération, histoire que personne ne la trouve. Ok. Vous aurez combien de temps pour vous faire la malle? Ah non. Assez. Mais une fois qu'on aura répandu la substance dans l'air, je vous garantis que les marins auront le mal de terre pendant un bon bout de temps. Ah, je veux pas que ce soit un truc chronométré, hein. C'est trop compliqué. On dégage par la porte latérale. Finalement, c'est pas sorcier. Alors, tout est clair? Bon. Ah là là, j'ai hâte. Ah oui, moi aussi. Oh là là, c'est chaud. Bon, je pense que comme d'hab, on a notre ami Rufus qu'il faudra engager parce que il y a le mur fendillé, tout ça. Info sur les gardes. Garde rapide. On peut les maîtriser, ceux-là. Garde d'élite, non, mais lui, on peut. Alors, ça. Ah, c'est avec des interrupteurs comme ça. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Parce que là, il faut que je sélectionne mon équipe, donc bon. Il faudrait que... Ça, c'est juste un terminal de caméra. Ah, s'il y a des trappes, c'est que normalement, Cléopatra, elle peut être prévue. Fourche Tesla. Ça, c'est pour au cas où on prend pas l'Obkovitz. Ah, tableau de distrib. Ouais, mais quand même... Ok. Je sais pas du tout qui je vais prendre, hein. Il y a un safe ici, donc logiquement, on va peut-être prendre Coco Bishop, comme d'hab. Hein. Bah, j'ai envie de dire, j'ai envie de prendre la même équipe que la dernière fois, c'est-à-dire Bishop, Rufus et Lobkowitz, quoi. Eux, ils fonctionnent bien. Ils peuvent défaire les trucs souvent. Regardez, il y a plein de murs fendillés et tout, là.
pour passer d'une pièce à l'autre, c'est assez intéressant. Après, il y a des trucs à ouvrir et tout, donc... D'accord. Un petit interrupteur lourd, ok. Bah écoutez, mon équipe, je pense que ce sera celle-là. Parce que c'est ce que je fais d'habitude. Là, on a les sous, ouais, mais on a le truc pour Rocket. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que Rocket, je l'ai pas pris souvent, hein. Oh là là, je sais pas. Écoutez, je vais me pencher là-dessus, je vais me réflexionner. Je vous reprends après. Ok, je pense que mon équipe sera composée de Nono, de Bishop, de Rufus et de Cléopatra. Je me dis qu'elle pourrait peut-être être utile avec sa rapidité, surtout dans les grandes surfaces là, du dance floor, je sais pas quoi. Je les ai un peu blindés, j'ai mis plein de trucs anti-laser, trucs qui m'ont amélioré bien sûr. Une fourche Tesla ici, j'en ai vu une autre. Et un truc de caméra, pour cutter la caméra, j'en ai qu'un. Je lui ai mis un bloc porte à elle, je vais lui mettre un truc de... pour couper la caméra. Écoutez, on verra. On va voir. Allez, on se lance dans la gueule du loup. J'ai peur, bien sûr, comme à chaque fois, une toute nouvelle mission. C'est toujours compliqué. J'ai toujours peur d'avoir pas bien choisi et tout, donc... Je n'ai pas les infos. Voilà, ça c'est bien. Ah, d'accord, on commence dans un truc... D'accord. Oui, d'accord, on est dans les poubelles. Ok. Nous avons un pied de biche. Nous avons ça. Nous avons ça. Tableau de distrib. Bon. Moi, ça super. C'est seulement si on... Non, bah j'en ai pas besoin de ça. Non, parce que oui, je voulais pas... ça. De toute façon, moi, j'ai mes inventaires est plein, donc ça sert à rien. Parce que ça, je vais pas le prendre. Donc, on va aller jusqu'ici. Il n'y a pas de garde qui vient jusqu'ici. On a un mur fendillé là. Bon, écoutez, on va déjà venir jusque là. Hein. Oh là là. Ah non, mais je crois que je vais regretter de ne pas avoir pris l'Obkovitz. Hein. Ok. Mur fendillé là. On a un mec qui vient là. Et ça... Ça c'est... Alors, attendez. Si je commence déjà bien, moi. J'ai pas compris. Il a pas compris. Table de distribution. Ah! Ah! Comme dirait Denis Brognard. Ouais, j'ai... Mais oh là là, moi j'ai... Je me jure. J'ai l'impression d'être déjà dans la merde. Ça a même pas commencé. Non, je voulais dire. Ça s'ouvre où? Mais putain, j'ai pas assez d'écran. Ah. C'est ce truc-là. Mais c'est complètement à l'autre bout. Pour désactiver toutes les dalles. Bon. En gros, là. D'accord. Ah, mur fendier. Ça. Ah, on peut pas rentrer. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, si, on peut. Ok. Et là, il y a des sous. Ouais. Il y a des sous comme ça, aussi simplement à choper. Écoute, tu vas y aller. On aura au moins un trésor, parce qu'en plus là on est tranquille un peu. Et ça ouvre. Si tu viens là. Donc ça ouvre cette porte-là. On accède là. Ah mais là t'as un mec qui passe. Ok. Ça fait quoi? Ça ouvre deux portes.
Oui. Il y a une caméra. Est-ce que je peux déjà aller ouvrir? Pourquoi pas? Est-ce que je peux mettre Bishop? Ça dépend si lui, là... Ah oui. Ah bah écoute, vas-y, stop. Tu reviendras là. Ce sera toujours ça de fait. Ok. Réactive ça, cocotte. Eh! Ah. Ce n'est pas mon domaine. Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait! On a unlock the door ici, hein. Je me dis qu'on pourrait peut-être. Je sais pas. Venir ici. Ah, mais c'est-à-dire casser le mur. Mais je dis au moins une fois qu'il est cassé. Y'a personne qui. En plus, y'a personne là. Ah ouais, mais. Je pense que c'est le robot qui doit passer et qui doit aller. Je sais plus où là. Ah bah du coup, c'est le robot qui doit aller là. Attendez. Et tous les trucs là, ils sont reliés. Ah, ils sont pas tous reliés au même. D'accord, ok. Je commence à piger un peu. J'ai qu'une fourche Tesla, moi, donc... ce sera Bishop qui devra y aller. Si Bishop, il y va... Là, le mec... Le mec, il s'en va. Il pourrait passer... Ouais, d'accord, ok, bon, on va. Tu vas y casser ça avant. Tu vas revenir après, là. Toi, tu vas venir là. Vous allez tous venir là. C'est quand vous voulez. Et maintenant. Parce que quand lui, il viendra ici, il va s'exciter, il va venir là. Mais nous, ça nous ouvre la voie. Bah, de toute façon, si, c'est pour aller là. Pour aller là. Ça s'ouvre. Ah ouais. Pour envoyer le robot, quoi. Regardez, lui, il va voir. Je quadrille le périmètre. Ah, il vient jusque-là. Ok, c'est bon. C'est bon, nous sommes saufs. Pour l'instant. Petite chose, donc. S'il faut que j'envoie Nono le petit robot, faire plusieurs trucs. Hey. Il a juste un destructeur de jeu, j'aurais dû donner la fourche. Faudrait que j'essaye de l'envoyer là. Son lui, il s'en fout, hein, il passe tous les... Optique et laser, de toute façon, ils viennent de le dire, donc je pourrais l'envoyer ici. Ouais, je sais pas si je peux. Parce que la porte, lui... C'est avec Cléopatra, peut-être. Juste quand il tourne le dos. On va voir ça. On va laisser passer le temps pour l'instant. C'est une nouvelle mission. Il faut le temps que j'apprivoise le truc. Voilà. Les différentes choses, tout ça. Bon, voilà. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Donc, le parking, il donne sur un trou. On dirait les douves d'un château, un peu, quand même. Bon. Ok, ça, c'est bon. Ah oui, là, il faut ouvrir là. Lui, il est où? Au mon avis, il va revenir. Bah non, tu vas juste aller là. Là, j'ai pas de porte, on est d'accord. Une serrure à crocheter. Une bar mitzvah à organiser. Oui. Non, c'est toi. À la limite, je vais déjà envoyer le robot. Mais attendez, le robot, lui, peut traverser les trucs là. Attendez. S'il se met là, ça fait quoi? Ah bah ça vous les deux. Mais ça sert à rien parce qu'on va envoyer le robot. Bon écoutez, moi je sais pas. Hein. Bon. Je vais envoyer Rufus casser ça. Et le robot va y aller aussi. Ok.
y va. On y va, tu peux ouvrir. Que les deux autres tournent le dos comme le tourne-dos. C'est pas comme ça que ça marche. Si. Ça va barder. Parce que lui, il va peut-être voir le trou. Non, je viens de voir, là, il y a un cône. Le mec, il regarde là et il regarde là. D'accord. Rufus. Pour l'instant, je vais quand même le renvoyer ici. Histoire de... C'est quand vous voulez. Alors, on va envoyer Nono. Nono le robot. Qui, du coup, je vais l'envoyer faire, je sais pas. Trop de choses. Tableau de distribution. Ah ouais. Putain, mais j'ai qu'une seule fourche de Tesla. Et c'est pas lui qui l'a. Envoyer. Bon, pourrait venir là. Ouais, je vais déverrouiller ça après. Parce que Nono. Pas fouille. C'est. Là, il peut passer là. Il peut passer là. Non, il peut pas passer là. Il peut passer là. Ah, mais non, il ne peut pas. Ok, donc tu peux pas... En fait, je l'ai fait... Il peut venir là. Mais il faut que j'envoie quelqu'un... Ah, d'accord, bon, on va faire ça. Hein. Voilà, ça me rassure parce que j'aime pas quand t'es sous les caméras, ça me stresse. Légèrement. C'est quoi le topo ? Tiens. Merde ! Il l'a vu. Abort the mission. Bon, on est tranquille là-dedans, mais bon, c'est pas l'idéal. Est-ce qu'il peut vraiment pas aller nulle part? Tout est cadenassé. Je pourrais détruire un laser, mais c'est pour qu'il récupère la fourche Tesla. Ouais, je pourrais faire ça. On s'en fout, on va tous les déconnecter. Ah bah non. D'accord, tu viens là. C'est bon, il n'a pas encore fini son... Si, il a fini son tour, l'autre, là. C'est lui, hein. Ouais. J'ai pas fait attention. Ok, bon, j'ai déjà perdu du temps. On va réattendre. C'est là, si je l'envoie maintenant ouvrir la porte, quoique, il y a peut-être moyen. Ouais, c'est bon. Ça passe. Ok. Alors ? On va peut-être demander à Cléo de venir. C'est à elle que je vais envoyer là, parce qu'elle est rapide. C'est que dès qu'il aura le dos tourné, elle se mettra là-dessus, elle activera. Et lui, il pourra prendre les trucs, le Nono. Oui. On va faire comme ça.
On y va. Vite, cocotte. Parce que... Ok. Ah, ça me stresse tellement, vous savez pas. Ça, c'est fait. Ah ouais, on aurait pu faire rentrer quelqu'un là. Oh, tant pis. Ok, Nono, le petit robot. On a désactivé... deux rayons. Ouais, ok. Se promet, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Venir ici. Il y a des sous. Lui, on peut faire quoi? Robus, mais. Ah ouais, donc lui, on peut pas le knock out. On a un interrupteur à bascule. Ça, c'est peut-être pour elle, hein? Non? Je sais pas, je suis confuse. Cette mission me confuse. Pourquoi il y a des bouteilles ici? Il y a des bouteilles de vin. D'accord. Je suis confusée. Déjà, j'arrive même plus à savoir où on est. Oh, comme ça, d'accord. Mais si je vais ici... ça pourra pas aller très très loin. Lui, porte d'acier. Pourrait passer là. Si, Jean Roberto, voilà, y allait. C'est quand vous voulez. Genre elle lui ouvre le passage, lui il rentre. Voilà, il y a une caméra déjà, donc c'est mort. Oh là là! C'est compliqué! Mais attendez, toi, tu peux venir là, toi? Ben oui, je suis con, moi. Et hop! Là, il peut pas parce que c'est blindé. Wow! Retourne là. Non, parce que, en fait, il va passer trop près et il va se faire choper, donc... Ok, c'est bon, vas-y. Non, il pourra pas passer. Ouais, c'est ça. Bon, je suis dans la merde. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il aille là. Putain, mais c'est compliqué, je trouve, là. Moi, je suis dans le caca. Ça veut dire que là, il va se faire avoir, Nono, le petit robot. Hein. Même s'il désactive ça. Parce que là, il va aller là et je vais en profiter pour faire revenir comme ça. Ok, bon, alors, j'ai désactivé deux autres rayons. c'est un vrai puzzle, j'arrive pas à... Dès que je vois une porte, je me dis on peut passer, mais en fait non, elles sont toutes plus ou moins fermées, quoi. C'est compliqué un petit peu. Ouais, c'est un peu compliqué. Les caméras, faut absolument que je les éteigne. C'est ici. Ok. Ok. Est-ce que je devrais pas utiliser Cléo? Terminal de caméra.
Ou le robot. Le robot, il peut, hein. On va faire ça, parce que sinon je vais pas m'en sortir, tu vas venir là. Parce que lui, il sera plus discret, il... Et puis, il y a un interrupteur à bascule ici. Tu peux le faire aller ? Oh bah oui ! Ah mais alors franchement là, même sans le vouloir, j'avais pas fait exprès, vous voyez. Surtout je voulais qu'il soit pour les caméras, donc... Toi, ça me stresse, voilà, il se va en plein dans le champ de vision, j'ai pas l'habitude, hein. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Cette porte là, vous voyez, d'apparence on voit pas qu'elle est loquée, mais en fait si, donc c'est un peu chiant parce que je peux absolument rien faire. Ah bah là c'est la sortie. Ah c'est le bouton là qu'il faut arriver en plus. Aïe 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 aïe, et il faut quoi? Faut être là. Bon. Vous voyez que j'ai déjà désactivé quelques rayons. Et il y en a encore pas mal à défaire. Tableau de distributeur, ouais mais. Mais c'est bon, bah oui, je peux envoyer Je suis prêt. Jean Rufus, j'allais dire. Jean Bishop, il va pouvoir passer. Il va pouvoir y aller. Donc ça c'est cool par contre. Ok. Jean Bish. Je ne peux pas faire ça. Ah oui, c'est vrai. C'est quand vous voulez. Bah tiens, c'est maintenant. Alors, il y a un faisceau qui arrive. Est-ce qu'il va te voir? Parce que j'ai l'impression qu'il voit assez loin maintenant les mecs. Hein. Non, c'est bon. Vas-y. Oh, oui, regardez-moi, c'est tout clean. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est cool. Faudrait limite rechercher l'autre fourche Tesla ici. Parce qu'on a un autre tableau de distrib là. Là, il va aller regarder par là. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, non, parce qu'il y a un petit bout de caméra qui va me voir. Ok. Bah, on va faire rentrer Rufus. Elle est ouverte maintenant tout le temps cette porte, je comprends pas. Faut écouter. Ah oui, ce qui a été relié au tableau de distribution. Ok, très bien. Donc tu vas quand même te planquer. Alors toi, on va devoir là. Et lui, il est où déjà? Il est là. Ok, bon, on a déjà fait ça. En soi, qui est pas trop mal. Je vais là. Okay. Est-ce qu'il y a moyen... De toute façon, là, c'est mort. Truc d'interrupteur. Il faudra quand même accéder ici. Quand on accède là? Ah! En accédant là... Ah putain, ouais, mais c'est un labyrinthe. Vous voyez, tout est un truc qui est relié là, là... Ouais, il faut accéder ici. Bon, bon. Ça, les deux derniers, ils sont ici, d'accord. Bon, ok. Nous sommes là. Et puis, ben... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Écoutez, pour l'instant, je vais peut-être ramener Nounou, le robot.
quand il pourra. Pour qu'ils soient tous réunis, vous savez bien. Ok. Merde, j'étais trop rapide. Ça va pas monter ma jauge. Donc c'est déjà ça. Hein, est-ce qu'il était dans le... à proximité dans la truc rouge, donc voilà. Bon bref, ça m'a pas monté ma jauge et c'est l'essentiel. Je vais donc vous laisser ici pour cet épisode et je vais essayer de réfléchir pour le prochain, savoir comment ça fonctionne, tout ça, pour moins galérer, au moins arriver au niveau de la discothèque, ça sera plus sympathique. Allez, je vous embrasse très fort, je vous remercie de m'avoir regardé, donc à très bientôt pour un autre épisode de Crooks. Salut.